Évidemment qu'il est, cette réponse sèche de la femme de Michel Barnier prise au dépourvu dans la rue. Questionnée par des journalistes de France Info, la femme de Michel Barnier a donné son point de vue sur la nomination de son mari. Après des semaines de suspens, le successeur de Gabriel Attal a enfin été révélé. Il s'agit de Michel Barnier. Âgé de 73 ans, l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy va occuper le poste de Premier ministre. Il l'a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français, a précisé l'Élysée dans un communiqué de presse. Si l'homme politique a déjà une longue carrière à son actif, côté vie privée, il est marié à Isabelle Altmaier. Ensemble depuis 42 ans, ils filent le parfait amour et sont les heureux parents de trois enfants, Nicolas, né en 1987 puis les jumeaux Benjamin et Laetitia, nés en 1990. Comme Michel Barnier, son aîné a décidé de se lancer dans une carrière en politique. La femme de Michel Barnier réagit. Depuis la nomination de Michel Barnier, les médias s'intéressent de près à sa vie privée. Questionnée par les journalistes de France Info, sa femme, Isabelle Barnier, a d'ailleurs donné son avis, évidemment qu'il est concentré, il est sérieux. Il va faire au mieux, il va donner le maximum, a-t-elle assuré. Une réponse plutôt sèche qui n'est pas passée inaperçue. De son côté, son fils Nicolas Barnier demande régulièrement des conseils à son père. Depuis 2017, il officie en tant que collaborateur parlementaire d'un député LREM, Grégory Besson-Moreau. Alors qu'il était candidat aux européennes en 2019, il avait confié dans les colonnes du Figaro, « Bien sûr, il m'arrive de lui demander conseil. Sa réponse est, tout engagement doit correspondre à des idées auxquelles on croit. » La politique, une histoire de famille. Comme Michel Barnier et son fils Nicolas, sa femme Isabelle Altmaier a aussi évolué dans l'univers politique. Cette dernière a été avocate pendant 10 ans. Elle a même travaillé avec Roselyne Bachelot au ministère de la Santé. L'épouse du Premier ministre a ainsi été chargée de mission puis directrice des développements et partenariats pour l'association Citizen Entrepreneur. Elle a ensuite été responsable de la communication et de la recherche de fonds pour la fondation La Vie au Grand Air.